Il est déjà là. Remarquez, ce n'est plus la même atmosphère. Parce que cet homme n'entre jamais seul dans l'ensemble des saints. Il y a des moments où il n'a même pas besoin de parler. Mais dans toute cette étendue, règne son onction. Plane son onction. Mais pas seulement dans toute cette étendue. Même ceux qui nous suivent à partir de la télévision, des réseaux sociaux, son onction transcende les airs. Et c'est une onction qui peut te toucher. Et te touchera même là où tu es. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons assisté à un témoignage puissant. Il y a quelqu'un qui est entré ici souffrant, mais son grand frère lui a dit: va au ministère, amen. Je connais un homme. Alors qu'il était victime de maux de dents, l'homme n'était pas encore entré. Mais quand l'homme est entré ici, l'onction l'a vu. Et complètement guéri, alors que l'homme n'a même pas pris la parole. Mais si ça peut se passer au moment où l'homme est encore dans son bureau, et combien plus forte raison pendant qu'il est là présent. Et voici l'homme. Voici l'homme dont l'onction transcende les ondes, capable de toucher, de secouer la vie. Voici l'homme puissant ardent, l'apôtre Léopold Moutomba Kalombo. Partout dans le monde, nous élevons les mains et recevez nos salutations de Kinshasa, qui partent de partout. Nous saluons le monde, nous saluons l'Asie. De la Chine en Guangzhou, à Beijing, à Dubaï, Abu Dhabi. Mandeko Dubaï, Abu Dhabi. À Paris. Mandeko Paris. Belgique. Mandeko Belgique. Afrique de l'Ouest. Mandeko Afrique de l'Ouest. Partout dans le monde. Bisikano sonamoki. Canada, États-Unis. Mandeko America, Canada. Nous vous saluons de Kinshasa. Topesi binombote kota Kinshasa. Recevez les salutations de Kinshasa. Oya mbaba mbote udina Kinshasa. Recevez les salutations de partout. Je veux que tous ensemble nous crions de joie et nous glorifions le Seigneur. Beta milolo ganga. Pepa, 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 beta milolo. Pepa, beta milolo. Alléluia. Vous voyez, avant, il y a encore des années, c'est nous qui contemplions de telles images ébahies. Nous voyons ces images d'ailleurs, mais c'est vous qui envoyez maintenant ces images partout dans le monde. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Merci, prenons place. Matondo tokwe kofanda. Nous vous demandons de prier, de prier, de prier partout dans le monde, de mettre ce programme entre les mains du Seigneur. Alors que partout dans le monde, ça bouge, l'incertitude grandit. Nous avons un défi à relever en ce temps de la fin pour apporter la parole de l'Évangile aux quatre coins de la terre. Nous avons promis que nous aurions comme ça deux fois
le culte live en direct dans ce format-ci. Et au fur et à mesure, nous sommes en train d'étudier le format classique du confinement à l'époque où nous allons reprendre même une fois par mois le format classique que vous avez découvert pendant le confinement. Bongo toloba ki ete to banda ko sala ka lolenge boye bala mi balé na sanza moko to ko sala mayangani to lokola kit live mokili mobimbelandi pe to tout ala lolenge to ko bongisa ndenge to ze ko sala ba kit live tant to na confinement ndenge wana pe to banda ko sala ngoto ko bongisa ngonano. Et par la grâce de Dieu, on angolo na nzambe, la semaine qui commence poso to zo banda sauf imprévu, nous allons lancer les images sur un deuxième satellite. Alléluia. Betana nu maboko sepela. Poso tozo banda tozo lenga bililingi toko kota na satellite ya mibale. Eh! Les uns sont fâchés, ils bougent pas. On est aussi liki oboyi. Vous n'êtes pas tellement enthousiasmé par cela. Ozane sengote pona likambo ango. Est-ce que yo kite to bandela? Peut-être tu ne le sais pas. Les uns ont commencé depuis longtemps, ils sont sur parfois 8, même 11 satellites. Les prédicateurs africains ici, ce n'est pas les Américains. Ici en Afrique, ils sont sur 11 satellites et ils couvrent tout le globe. Nous, c'est à peine, c'est le deuxième. Vous devez d'ailleurs vous en réjouir plus que ça. Bande comme Moussou, en Afrique, bango, basi bakor ma satellite, mwambe, zomi, zomi na moko. Azamo en Afrika mokili mobimbatina basuka mokili balandaka e biso to bandisi ko tala tozo kota na mi bale sepela tako sepela ko dans notre espace na biso atoza la kawa dans notre espace na bisika tando na biso francophone biso ali falansa même lusophone et d'abord baka monoko to ba portugais encore moins mangalophone mingi biso batabalingala o c'est une première mbala yambo. Vous vous informez pas assez pour savoir ce qui se passe. C'est ça la réalité. C'est pourquoi toutes nos équipes, même nos versions hispaniques, qui font un travail formidable, la version anglophone, nous aurons des programmes de la journée du soir exclusivement en anglais, orientés vers les zones que nous voulons atteindre. Bongo nakatia ndenge toko lenge na makambo tona bandeko balimbolaka na monoko ya ba Espagne balimbolaka na ba Angelesa na ba Swahili tozo lenge la petro dans mamana ka musu ezaka na minoko wana po ete bandeko nga mona ba monoko wana bango pe ba pambola mana mala kesi oyo afin que s'accomplisse la parole po ete lilobe kokisama jour aux extrémités de la terre le temps passe très vite Christ revient bientôt lilobe lobe te tiki na suka mabele seigneur ba okaliloba. La semaine prochaine, nous aurons deux jours sur la prophétie. Nous voulons comprendre avec le grand thème que nous allons développer qui pourra peut-être te surprendre. Le thème sera COVID-19, COVID-21. COVID-19, COVID-21. Tu vas découvrir des choses que tu ne peux pas encore soupçonner jusque-là. Parce que nous sommes à l'heure. Vous devez être suffisamment préparés. Franchement, le Seigneur est à la porte. Ne rêvez pas, le Seigneur est à la porte. Amen. Jusqu'à la fin de ce mois de novembre, chaque mercredi, selon les ordonnances divines, est placé sous le signe de la campagne de prière communautaire de 6h du matin à 19h du soir. 45 minutes. Les uns m'ont dit hier qu'ils se sont rendus compte que les 40 minutes étaient insuffisantes. Quand l'esprit t'emballe, tu es parti, tu te rends compte que tu as dépassé. Voilà pourquoi nous aurons 45 minutes à partir de mercredi prochain jusqu'à la fin du mois de novembre. Nous acclamons. Tobete likolo maboko pona mabongisi minene ya Nzambe. Sanzo mamokolo misato nyoso. Tokozala na mabongisi ya mabondeli komanda 6h 19h lingolo ba outi ndako outi musalo zapi obongisi
45 minutes na yo ya mabondeli awa en ecclesia. Je suis en train de parler de choses très importantes, de faisant partie des grands mystères de Dieu sur la loi de quatre éléments. Na solo bela makamo minene o ezali kati na mabomba mi ya Nzambe oyo motole kamongo ezali ete mobeko ya bikela minei. Tous ces quatre éléments bikela ngono so mineo représente Dieu lui-même. Nyosomine ezotali Nzambe moko. Ces quatre éléments aussi bikela on peut miner sont les armes entre les mains de Dieu pour juger l'humanité et juger l'homme. Ce sont les éléments par lesquels Dieu manifeste sa puissance, sa gloire et ses jugements. Je parlais de la terre. Je veux parler du feu ce soir. Et je verrai comment le Seigneur lui-même va prendre en charge ces révélations s'il voudra qu'on arrête les dimanches par le vent ou on va attendre plus tard. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 verset 3. Genèse 4:3. Merci. Il est écrit, nous lisons, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dieu bénisse cette parole. Amen. Quand nous lisons les textes de manière brute, on ne peut pas comprendre comment au début de la création de l'humanité, le rôle important que le feu a commencé à jouer. Nous sommes encore à l'aube de la création. Qui a montré à l'homme le feu? Nous pouvons dire même du temps préhistorique. Selon les âges qu'on appelle en histoire de la pierre polie ou taillée, l'homme avait déjà les réflexes du feu. Il a eu à inventer le feu pour commencer à cuire. Mais au départ, il mangeait d'abord tout ce qui était vert, comme légumes et fruits de la terre. Mais à un certain moment, l'homme étant de l'essence divine et céleste, a compris l'importance du feu. Le feu aidait déjà l'homme à tailler le fer, lui donner la forme de l'arme ou de la lance pour chasser les gibiers ou pour se défendre. L'homme a commencé à... Déjà, il avait les réflexes du forgeron. Et il ne pouvait pas tailler le fer sans le feu. C'est comme ça qu'il prenait le fer, il le mettait au feu
au plus fort de la chaleur, il pouvait maintenant tailler le fer pour lui donner la forme qu'il voulait, de la hache, de bêche ou autre. Naboinde moto sengela kina azwali bende ati yango na moto moto pe na makasi na bongonda kata katango po sala mbeli asala kongo to pa opona mosala na ye jusqu'à ce que vint le moment où l'homme a pris le temps après la chute de commencer à chercher à communier avec Dieu tikino esala ki te tango moto akoi moto akomi koluka lolenge nini akota na bomoko na nzambe. Il se trouve maintenant qu'on se rend compte du vrai rôle de l'élément feu. Na bongo eko sala ete toye ba penza mosala nini eloko to bengi moto eko sala. Le feu entre en scène, nous le retrouvons pour la première fois dans le sacrifice. Boye moto eko banda to moni yango mbalambo na kati na mbeka. Et pendant que les deux enfants Caïn et Abel s'approchent de Dieu, ils ont eu tous ensemble en même temps voulu par Dieu l'initiative d'offrir. L'un a pris les choses de la terre. Selon le verset 3. Et au verset 4, l'autre a pris les prémices de ses revenus en termes de bétail. La Bible dit, de son côté, Abel fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur reste. Ce n'était pas un seul bétail. Il avait tout un troupeau. Son cheptel était déjà fourni à l'époque. Alors, dans chacun de troupeaux, il a fait le choix du premier-né dans chacun de troupeaux. C'est pourquoi la grammaire dit de leur graisse. Sinon, il allait dire de sa graisse. Cela sous-entend qu'il y en avait plusieurs. Alors, il a rassemblé le premier-né. Et il a trouvé que le feu était un rampe nécessaire pour amener l'offrande jusqu'à Dieu. Il ne pouvait pas prendre le bétail, chacun, chaque premier-né, et l'amener à Dieu. Il a compris que spirituellement, le feu était un élément important. Quand il va les rassembler un à un et les mettre sur l'autel, le feu allait brûler la graisse, brûler la chair, brûler les os, et la fumée allait monter jusqu'au trône de Dieu. Déjà dès cet instant, nous comprenons la définition que l'homme se faisait déjà du feu. Tu peux écrire sur tes notes que le feu est un moteur essentiel pour amener le sacrifice à Dieu. C'est pourquoi en matière de sacrifice, dans le domaine des holocaustes, en matière de culte, tout devait passer par le feu pour arriver à Dieu. Aucun sacrifice ne pouvait arriver jusqu'à Dieu sans le feu, sans passer par le feu. Que soit le chèvre, le bouc, le taureau et autres, et les restes devaient passer par le feu, et le feu devait transporter les choses au moyen de la fumée pour aller jusqu'à Dieu. Et Dieu devait sanctionner la qualité et le type d'offrande. Ezala bangombe, ezala mantaba, ezala bameme, ezala banampate, nyose sengele ki elekela na moto, pe enanzela mulinga ematepa na nzambe, ndenzambalo ba andimito abo yango. Avant que nous commencions à rentrer dans les livres de sacrifices dans le désert, comme Lévitique, Exode et autres, l'homme déjà, à l'aube de la création, a récupéré cet élément pour parler à Dieu
par les sacrifices. Dans Genèse 8:20, Genèse. Nous sommes dans l'histoire de Noé. Ah, tu as dit solo à Noah. Je te prie où que tu me suives en ce moment, avoir la Bible sous tes yeux. Na bonde le bisika no sozo la nanga na tango yo. Tia Biblia liboso na yo. La bonne méthode est de lire avec moi. Lo lenga mala mo kosa le lesali otanga elongo na ngai. Parce que ce que tu lis reste en toi. Reste gravé en toi-même. Alors soumettons-nous à cet exercice. Genèse 8. Commençons verset 18 à 21. Genèse 8, 18 à 21. Tu es là? Amen. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui s'émeut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, c'est-à-dire, le feu aura joué un rôle important pour que l'Éternel sente l'odeur de la fumée de tout ce que Noé avait offert en holocauste. Il y a un peu de moto et ça là qui m'a malamo. Il y a un peu de qui m'a dit pas nzambe pour être nzambe. Ayoka solo qui toka bambe kawana. Le feu devient intéressant. Moto comme le kamotuya. Pour prendre tous les holocaustes et suis bambe kanyo. Et les porter jusque devant l'Éternel. Et même un moti liboso na Yahweh. Et le feu devient un élément central du culte. Mais moto comme le kamotuya pour na mayangani. Donc pour Dieu. Pour nzambe. Le vrai culte devrait passer par le feu. Or, déjà à partir de cela, Dieu voyait le grand sacrifice et les souffrances qu'enduraient les bêtes, mais qu'endurerait la véritable bête appelée agneau. C'est comme cela que toujours dans les cultes, il arrivait parfois, Dieu ne voulant pas que l'homme allume le feu, lui-même allumait le feu sur le local de manière surnaturelle et miraculeuse. Dès qu'il a vu que les choses étaient bien faites, lui-même allumait le feu et le peuple était surpris de voir que le sacrifice est consumé et les uns couraient de peur, les autres acclamaient. Parce que Dieu était d'accord avec ce qui vient d'être fait, il s'est manifesté en brûlant lui-même l'holocauste. Nous sommes dans Lévitique 9:24. Lévitique 9. Je suis en train de préparer la plateforme pour te fixer avant de décoller. Chapitre 9, verset 24. Lévitique 9.
Commençons au verset 22. Aaron leva les mains vers le peuple et il les bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et ils se jetèrent sur leur face. Amen. Quel spectacle. Quel spectacle. Moïse et Aaron entrent dans la tente. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait. Le peuple est resté dehors. Parce que souvent, Dieu offrait au peuple un spectacle incroyable. Et quand Moïse entrait seul dans la tente, le peuple voyait comment la gloire couvre Moïse, l'accompagnait jusque dans la tente. Et quand il sortait de la tente, il y avait des tonnerres autour de la tente. Et le peuple avait très très peur. Il y avait différents types de spectacles pendant ce temps dans le désert. Et Moïse et Aaron, cette fois-là, entrent dans la tente, te dit la Bible. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Ils ont reçu l'ordonnance de bénir le peuple. Comme je suis sorti là, j'ai reçu un décret pour ta bénédiction. Amen. Quand l'enfant dit que l'homme de Dieu est sorti, je ne sais pas comment il le dit. Mais il y a une réalité spirituelle derrière le rideau. Et quand l'homme de Dieu sort, et il tire le voile derrière lui, c'est que derrière là, il y a un tête-à-tête qu'il vient de faire avec Elohim. Il y a des choses que Dieu vient de lui communiquer. Et quand tu vas paraître, c'est-à-dire derrière le rideau, Moïse est un mystère comme celui qui parle avec lui. Dieu est mystère. Il parle aussi à un homme qui rend mystère. C'est pourquoi les choses se passent derrière le rideau. Dès que Moïse sort, on le voit. C'est-à-dire le mystère se révèle. Moïse qui était caché, il devient visible devant le peuple. Et dès qu'il est visible, il faut que quelque chose se passe. Amen. Parce qu'il vient de parler avec Dieu. Il vient de rencontrer Dieu. Il y a des choses qu'il vient de se dire. Moïse a entendu la voix de Dieu, les sons de sa voix que le peuple n'avait jamais entendu. À partir de ce moment, cet homme a une partie de Dieu en lui. Puisque l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, mais Moïse l'a vu. Il n'est pas mort. Parce que Dieu est devenu Moïse pour que le peuple ne meure pas. Même quand il va observer la gloire éphémère, mais qu'il ne meure pas à cause de cela. Mais c'est déjà un message que cet homme qui vient de sortir vient d'une réunion plus que la réunion du gouvernement. C'est plus qu'un conseil du gouvernement. Alors il sort avec le compte rendu des choses que Dieu a arrêtées pour le peuple. Et quand il vient vous dire, Dieu m'a dit de vous bénir, alors le peuple doit crier Amen à haute voix. Amen. Tu cries Amen, très fort. Amen.
Je veux entendre ta voix, amen. Reçois cette première partie de bénédiction. Et dis amen. C'est Pelagico, alléluia. Mystère. Libomba mi. Ce mystère est grand, mes amis. C'est comme cela que tout le peuple, en voyant ce mystère spectacle, poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. C'est-à-dire, ils adoraient. Il y a une foule d'adoration dans le désert. Des millions de peuples dans le désert, tous face contre terre, poussant des cris de joie, criant, pleurant. Face à ce spectacle, c'est pour cela, dans la nouvelle alliance, Dieu aussi parle derrière le voile. Le corps de loin est un voile derrière lequel Dieu parle. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Amen. Le corps physique et le voile derrière lequel Dieu parle. Et Paul te dit ceci: nous portons dans ces vases de terre un éternel poids de gloire, afin que cette grande gloire ne soit pas attribuée à un homme mais à Dieu. Alors rends-lui la gloire, rends à Dieu 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 la gloire. Ganga, 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 loba, ganga, benta, maboko, tombola. Hallelujah. Hallelujah. Quand Dieu Tangonzambe manifeste le feu sur l'autel, azotel sa moto likolo tumbelo, quel est le message? Sangonini abimisi. En posant un tel acte mystérieux. Quand Dieu se manifeste par le feu, il veut dire tout simplement: j'ai agréé le culte. Je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que je manifeste ma gloire. Amen. Puisqu'il ne peut pas prendre l'offrande physiquement et le manger, il a une autre manière de manger l'offrande: par le feu. Et le feu brûle l'offrande. Le feu devient un avion qui amène l'offrande à Dieu. Le feu. Moto. J'entends quelqu'un dire le feu. Le feu. Du temps de Samson. Na ele kona Samasona. Son père Manoir. Tata na Manoa. Sa femme a vu un ange de l'Éternel. Mama ya Samson a mona ki mwanje na Yahweh. Alors il parle avec l'ange. Bo asoli na mwanje. L'ange lui: tu auras un enfant. Mwanje abine okobota mwana. On rasera jamais sa tête. Ce qui n'est pas coquata kangote. Il lui donne les détails. Après ce n'est que ma camarade Gozala. Alors il pose la question à l'ange. Pour tout le monde j'ai mon tuna. Comment est-ce que je veux savoir que ce que tu me dis arrivera? L'olingine ne rebête ma camarade le banangé koko kisama. Il retourne. Elle en parle à son mari. Moi je suis azongi aibi si mon mari naie. Son mari dit: allons-y. Mon mari l'habille à tourner. Au lieu où tu as vu l'ange. N'est-ce que coquata nana motoana? Alors il a commencé à prier. Oh Éternel. Hey, Yahweh. Si vraiment ce que ma femme a vu était vrai. Que l'ange de l'Éternel revienne encore. Et l'ange est revenu. Mais moi j'ai aïe sousou. Yes. Alléluia. Ils ont commencé à parler avec. Alors l'ange lui dit, et il pose la question à l'ange: quel est ton nom? A tout le monde, comment on a nom? Là, je lui dis: mais tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Dans cette dispensation, mon nom est merveilleux.
Merveilleux. Kitoko elengi. Formidable. Malamu mingi. Est-ce que tu peux accepter notre offrande? L'ange dit, ce n'est pas comme ça que je prends l'offrande. Je justice. Allons-y rapidement. J'entends quelqu'un dire le feu. Feu. Encore? Des faits. Nous sommes au verset. On peut commencer au verset 17. J'arriverai à l'histoire de Samson. Ici, on est avec Gédéon. Que l'homme qu'ils avaient rencontré était Dieu. Ah, alléluia. Moto bakutana kina zaki nzambe. Tu es là? Amen. 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Souligne, au verset 15, la plus pauvre et les plus petits. Souligne le 2. Nous tous ici, nous sommes sortis des familles les plus pauvres. Vrai ou faux? Qui est sorti des seins de sa mère avec des mal de dollars? Qui? Qui est sorti des seins de sa mère avec une voiture? Tu sors à la maternité dans le ventre de ta mère avec une voiture. C'est qui? Ne venez pas nous raconter des histoires. Hein? Ah, si tu savais quand on était, on allait à l'école dans les Bobby Ladawa. Mercedes Bobby Ladawa. Qui connaît encore les Bobby? Tous ensemble, quelle que soit la gloire, nous traverserons la vallée de Cédron ou la Gethsémané. Nous perdrons toutes ces superbes. Nous sommes tous sortis des plus petites. Et Dieu prend les choses les plus viles, les plus inutiles, les plus faibles pour confondre. Et moi, je suis l'un de ceux-là, sorti d'une famille pauvre. Dis à haute voix, pauvre. Oui. Et encore pauvre, même les choses élémentaires compliquées, même les choses qu'on peut ramasser, elles te fuient pour que tu ne les vois jamais. Pauvre, tu dors chez les gens. On l'a laqué pas bateau. Tu dépends de l'hormone. C'est ça, Gédéon. C'est comme ça qu'il pose la question à Dieu. Il dit, avec quoi? Je n'ai pas de moyens de financer l'armée. Je n'ai pas d'argent pour acheter les armes. Tu connais la situation de ma famille. Avec quoi? Moi là, je vais délivrer Israël. Seigneur, est-ce que tu t'es pas trompé d'homme? Tu aurais dû chercher quelqu'un d'autre. Mais pas quelqu'un comme moi. Nous sommes nombreux. Pourquoi n'avoir pas été dans la tribu de Judas? Tu viens seulement chez nous les menacés. Parce qu'il s'agit de la guerre. Choisis chez Benjamin ou chez Judas. Et moi.
Quand on regarde sur le tableau, rien n'était disposé à réussir dans la vie. Si on regarde les prévisions, même les plus ignobles, on ne te voit pas dans les classements ou sur la liste des personnes qui doivent devenir un nom. Yes. Pas petit, mais plus petit en tout. Mokete kasi, koleka mokie. Le premier plus petit, c'est quoi? Ya mokie le bosozanini. Tu as oublié, tu venais de lire ça tout à l'heure. 15. Hein? Famille. Ma famille est la plus pauvre. Libota nanga ya bobola koleka. Famille. Libota. Et je suis Bengayoyo. Le plus petit. Naza mwana mokie. Famille pauvre. Libota bobola. Mais sur la liste encore des enfants, Zoka na kata motango ya bana. Tu es le plus méprisé. Oza okutu mamona kapenza pamba. Parmi les méprisés, parmi les plus pauvres, là, tu es le plus méprisé. Que personne ne peut écouter. On peut même rien te demander. Si d'abord le plus pauvre n'a rien, et toi, qu'est-ce que tu as? C'est en ce moment que Dieu Nzambe te voit différemment de ce que tu vois. Dieu te voit différemment. Dis à ton frère, Dieu te voit différemment. Quand il te regarde, il te voit quelqu'un d'autre que tu te vois. Dieu te voit différent de ce que ta famille te connaît. Tu es différent de ce que les gens connaissent de toi. Donc les gens ne t'ont pas encore connu. Ils ne te connaissent pas encore mieux. Comme Dieu te connaît. Dieu te voit un héros qui va entrer dans l'histoire. Mais les gens, et même toi-même, tu vois que tu es sorti de la famille pauvre et tu es le plus petit qu'on ne peut même pas appeler dans un conseil familial. Parce que tu n'as rien à donner. Mais Dieu voit quelqu'un d'autre. Un héros qui va pousser les gens, encourager les gens, mener les autres. Dieu te voit un puissant leader. Amen. Amen. Beta Milolo Sepela, puissant leader. Dis à ton frère, n'ose pas me mépriser. Je pèse dans quelques mois, quelques jours, les gens seront ridicules, même pour me regarder en face. Je n'ai pas encore fini de faire parler de moi. Hey! Yes! Alléluia! Je sais de quoi je te parle. Si tu le crois, dis-moi amen. Encore amen. Téléspectateur, dis avec nous amen. Amen. Tu n'as pas encore fait finir parler de toi. Ce qu'on voit encore là, ce n'est que l'introduction. Les choses sérieuses doivent commencer. Alors que l'introduction étonne les gens. Alors quand viendront des grandes choses.
Alléluia. Sepela neko sepela. Ganga sepela. Introduction zobangisa. Bongo tango yebinene goya. Bakoyoka sango. Bakoyoka yona sango. J'attends quelqu'un dit le feu. Le feu. Le feu. Alors, la conversation commence avec Dieu. Alors, il attendait ce que Dieu lui dise. Oh, pauvre Gédéon. Je savais pas que tu es d'une famille pauvre. J'avais oublié que tu étais le plus petit. Le minable. Le rejeter, l'abandonner. C'est pourquoi les vaillants hommes sont allés en guerre. Toi, tu es resté à la maison. Désolé. Je ne savais pas que tu avais un tel palmarès. 40 combats, 39 KO, on t'a jeté à terre. Je ne savais pas que tu ne pèses pas. Alors écoute Dieu. Alléluia. Alléluia. 16. L'Éternel lui dit. Mais. Kasi. Autre m'a dit. Malgré tout ce que tu viens de me dire. Écoute mon programme. Moi Dieu. Je serai avec toi. Amen. Je m'en fiche de ce que tu me racontes. Je m'en fiche de ta famille. Je m'en fiche du niveau de ta famille. Ça m'importe peu. Mais ce que moi je sais, à partir d'aujourd'hui, je suis avec toi. Amen. Woo! Alléluia. Hey! Le signe que je suis avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Toi, yo, le plus petit là, mokewa, de la famille pauvre là, na libota bobola, je te dis que je suis avec toi, na zana yo, tu vas battre okobeta, l'armée la plus puissante, makasi, la plus nombreuse, la mieux équipée, toi le plus petit, yo, moke, tu vas entrer dans l'histoire par la grande porte. Ne, si Dieu te parle, réponds-moi. Ah, yanola, yanola, yanola. Si Dieu t'adresse, réponds-moi. Qui tu es? Qui? Ozanani? Qui veut me ressembler? Famille pauvre. Libota bobola. Plus petit. Motomokie. Quand Dieu vient, ye, tu commences à battre les Madian. Madiani. Tous les Madianites battent en retraite. Ils battent en retraite. Au Congo. Na Congo. À Mwanda. Na Mwanda. À Mbanzangu. Na Mbanzangu. À Kikwit. Na Kikwit. À Kasumbalesa. Kasumbalesa. Ils battent en retraite. Bazozonga sima. À Nairobi. Na Nairobi. À Libreville. Na Libreville. À Brazzaville. Na Brazzaville. Ils battent en retraite. Bazozonga. Au Bénin, au Canada, au Venezuela, Venezuela, à Colombie, na Colombie, au Jamaïque, na Jamaïque, ils battent en retraite. Les plus petits Motomoke, de la famille pauvre, quand Dieu vient, les choses basculent. Amen. Abeta Milolo Kanga Sepela. Quand Dieu commence à me faire monter, croise-le. Donne-leur un morceau de pain. C'est un message. Que ici sur terre, les choses changent quand même. Makambo pe bongwanaka. Makambo bongwanaka wana mabele. Tu es là? Gozali awa? Pepa, pepa. Troisième balcon, tu m'entends? Bande kwa likolo. Donne-lui. Quand Dieu te donne un véhicule, tu le trouves dans la rue, ramasse-le. Qu'il entre dans le véhicule d'un ex-pauvre, un ex plus petit,
afin qu'il ait le message qu'ici sur terre, Mambu m'a bouleversé. Amen. Mambu m'a balouka. Dès qu'il descend, qu'il aille raconter en Galilée, à Jéricho, à Capernaum, il dit ce que j'ai vu là. Mambu me baluka. Vanda. Fanda nanu, Fanda. Prenons place. Tu vas encore te lever parce que j'ai dit de bonnes choses. Amen. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen, amen, amen. Ah, ça j'aime beaucoup. On a l'ingangouming. Ça me rappelle beaucoup d'histoires. Oui, ça quand t'es un bel et penza. Il dit, je t'attendrai. Ah, mais non, c'est là. T'en fait. Kende, kende na ose là. Et tu vas revenir. Oui, on coûte un gars, kende, ouzonga. Construis. Tonga. Et tu achèveras. Amen. Commence. Banda. Tu arriveras à la fin. Amen. Parce que l'Éternel est là, il veille. Pour Yahwazan, Azo Senjela. Il veille sur l'évolution de choses. Que tu ne sois plus et tout la soute, un adepte des inachevés. Moto Bandakasu qui s'arrête. Cette fois-ci, Yambaloyo. Il t'attend. Azo zelayo. Et départ. Abikende. Je t'attends. Nga na zelayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère. Personne ne t'arrêtera. Personne ne mettra un fin à ce que tu viens de commencer. Celui qui croit que cette fois-ci, ça sera comme d'autres fois. Montre-lui les deux yeux. Ogoguga. Ogugi. Ogoguga. Mudiusukam. Ogugi. Ogo zela ga. Zela zela. Mudiusukam. Alléluia. Beta milala. Oh, sepe la ganga, sepe la ganga, sepe la ganga. Oh. Alléluia. N'aie peur de rien. Kobange lo kote. Il te donne des garanties. Azope sao bandanga. Et il te dit, Belobino boye. Je resterai. Nazo zalawa. Jusqu'à ce que tu reviennes. Tigino gozonga. Tu ne feras pas un aller simple. Ozatokenelibela. Tu ne mourras pas au front. Okokufa na bitumbate. On ne rapportera pas de nouvelles. Bagwana basangote. On était parti avec lui. Etetokenegi na ye. Il ne reviendra plus. Nazo zonga esusu. Jamais cette Amen. Fois-ci.
Jamais cette fois-ci. Amen. Personne Motote ne sera là Aouzalawana comme les travailleurs de Job. Personne Motote ne jouera le rôle Aouzala Mosala de serviteur de Job Basali Ayobo qui ne sont là Aouzalawana que pour apporter de mauvaises nouvelles. Nous étions avec lui. Mais quelque chose lui est arrivé. Moi, je me suis sauvé pour venir apporter des nouvelles. Tu n'as engagé personne. Tu n'as jamais engagé quelqu'un pour apporter de mauvaises nouvelles sur toi. Amen, papa. Oh. Tu peux le dire à ton frère. Tu n'as engagé personne. Tu n'as choisi personne pour aller raconter des choses à tout le monde que tu es fini. Rien ne marchera. Il n'y a plus rien là-bas. Tu n'avais jamais engagé personne. S'il y a quelqu'un qui joue ce rôle, et lui et les gens qui reçoivent ces nouvelles, bientôt tu vas leur donner du pain et de l'eau pour qu'ils sachent que tu es encore vivant. Yeah! Alléluia! Rukabadi babarasa. Yekeresenge benika. Alléluia. Comment? Tu te moques de moi parce que tu es à vélo. Moi, je suis à pied. Attends, demain, Zela lobby. Moi, j'aurai l'avion. Toi, tu resteras par terre. Alléluia. Il sera difficile qu'on se voit. Et vous n'allez pas dire pour tout le monde dans les sous. Mais quand tu étais à vélo, on pouvait se croiser. Tant que vous avez un vélo, tu peux me narrer. Tu frimes sur ta vélo. Maintenant, je vais décoller. On pourra plus se rencontrer. Nicolas! Il y a de nouvelles routes que Dieu est en train de construire pour toi. Que tu vas emprunter pour que vous ne vous croisiez plus. Il y a de nouvelles voies, de nouveaux engins, de nouvelles voies de communication, de nouveaux moyens de transport qui permettront qu'on se croise plus. Ah, pepa. Pepa, pepe, si kozali, pepa. Tu fermes le poing. Kangali kof. Dis amen. C'est pas fini. Et si l'été? Non, mais si l'été. Vanda. Moscou n'a pas été limité. Amen. Parce que Bio Tozo Tiaturoyo incontestable. Moi, je suis un peu plus. Et ça, le col à Biden n'a trompé. Il y a Bisso Bi. Tembe Pesadini. Et Sili. Batoubagangi Malamoko. So, mon mouton a commis ou Kouelisa. Pressé. Ce sont là. On a formé cabinet. On a formé kikoukou. On a formé toilette. On a formé toilette. On a formé toilette. On a formé toilette. Si on a dit que c'est un song le caté. D
19, Gédéon entra, prépara un chevau et fit avec un effa de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. » Il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher en feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. J'entends quelqu'un dire le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Mis. Libo. Dormi. Qu'à moi. Friqué. Pour dire qu'il est d'accord avec toi. Gédéon regarde. Il n'est plus là. Autre message qu'il envoie. Le feu du Saint. Manifeste sa présence. Amen. Venant de l'Éternel, annonce les signes et de l'Éternel. Il annonçait déjà Gédéon. Avec Gédéon, et j'amène la délivrance en Israël. Et c'est par toi que Dieu apporte la délivrance de ton père biologique. Mais le nom que tu portes va apporter de l'importance et de la valeur. Amen. On va dire c'est qui là? On cite ton nom. On dit mais on ne connaît pas son père. Ah, tu es bien tata naé. Oui. Ne pas ça. Il est bon naé. Pour lequel il a. Non non. Bon. Gédéon, Gédéon. Gédéon, Gédéon, Gédéon. Gédéon. Il n'a ni soussouane. On ne connaît pas son père. Comme tu es bien tata naé. Oui. Il y a solo. C'est ici que Dieu confond l'être humain. Ici. Avec de faux calculs. De fausses prévisions. Ah, non. Chez Dieu, ça ne se passe pas et comme pas ça. Dans ta main, ça. Le feu venant de Dieu apporte le temps de révélation. Parce qu'il est clair. On peut en se voir clair. La fin de temps de tâtonnement. D'hésitation. Le mais pour la publication. Si et coupé ton hôtel se pose annonce le temps de délivrance. Et hôtel s'attend au cango. Il est clair. Et on peut moinda. Mais fin au temps de tâtonnement. Et ceux qui s'attend à côté pas t'es pas. Et purifie. Pèse aller coupé là. Dans la spiritualité. Bon. Limo ya diabolo. Divin. Nous connaissons l'histoire de Dieu Moloch. Baal. Dès qu'il s'est fâché,
On doit lui offrir des êtres humains vivants. On le jette par le feu. Il mange l'être humain. Et c'est comme ça que du temps d'Élie, pour appeler de Baal, ils pouvaient sacrifier beaucoup d'êtres humains pour le calmer. Élie vient dans sa dispensation aussi avec un Dieu qui se révèle par le feu. Il que les fessé aussi par le feu. Il dit, invoquez votre Dieu qui se manifeste par le feu. Mais moi, je veux invoquer l'Éternel. Je vous donne un signe. Le Dieu qui répond, il est pertinemment. Et il va plus loin. C'est lui qui va répondre par le feu. Alors, vous allez demander une autre fille. Une autre. Il opère par le feu. Il lui dit, ok, allons-y. À ton frère, l'autre est véritable, il est authentique, notre est ratakate. Alléluia. Amen. Il commence, Babani. Ils invoquent, où est le feu? Motozab Bal, qu'est-ce qui se passe? Bal, nini boyo. Cette fois-ci, tu bloques Bango. Amen. Moto ko bimate. Tu kangi yango. Peut-être qu'il dort. Ils ont changé de méthode. Ils ont un autre de spiritualité. Les sangs coulent. Il croyait que dans ces dimensions, Baal ne pouvait que réagir. Ah, Baal est singulier, car il y a nous là. Rien. Et l'autre côté, Tijen. Tout le monde est bloqué. Ah. T'as quelqu'un dit tout bloqué. Kangi bangona source. Car le vrai feu, c'est le nôtre. Le feu, c'est le nôtre. Moto à sol les andes à bisso. Pas le leur. Yabangote. Qui sont ici? Le feu des sorciers la nuit. Moto bando. Feu. Nous le bloquons. Amen. Ils vont plus décoller. Bago pimbo les sous-sauter. C'est fini. Si tu es avec lui, dans la même chambre, dans la même parcelle, sur la même avenue, te bloquer. Amen. Qui vient planer sur la maison? Il t'observe dans la chambre. Endormi. Cette fois-ci, bloqué. Amen. Je t'entends dire amen avec une sainte colère. Alors, Naboué, Élie s'avança. Élie a poussani. A poussani. Il leur dit, oh. Bon, maquel papa. Kata.
Makele le tro katakana. Atadi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, alinga lo basuni. Nous on a invoqué Baal. Biso to beleni nzambe na biso. Pas une once de feu. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Yesu alinga sa. Il veut se prendre pour qui? Alinga mizo yene nani. On verra. C'est total. Il dit ok. Il a dit ok. Priez un saint, un ange 30 fois. Obondela, mosantu moko obo, obelele mbala tuku misato. 50 fois. Mbala tuku mitano. C'est bal. Il va pas répondre. Ako ya nolate. Oh mon santo songo lo bandeko bondela ye. Ah oui, attends. Et locote. Oh, et locote. Je te dis la vérité, zéro. Alors bando, et locote ako ya nolate. Va même à la 81e fois. Kenda tambala tukuli bwa. Termine tout le mouma masango. Betango atanyoso. Et locote. Dakadak. Dakadak. Aoyate. Aoyate. Nous sommes à l'offrande du soir. L'offrande du soir se révèle par le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Un instrument de jugement par excellence. Parmi tous les quatre éléments, le feu et l'eau sont particulièrement les éléments entre les mains de Dieu. Au sens prophétique, qui sont de jugement. Les deux éléments de jugement, l'eau et le feu, de pierre. 3:7. Petro ami balé, mukapa misa to nzela sambo. De Pierre. Petro ami balé, mukana na Petro ami balé. Mukapa misa to 5-7. Nzela mitano tina oya sambo. Tu as trouvé? Amen. Merci. Commençons verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. C'est-à-dire la terre m'a belé. Sur laquelle nous habitons, toi et moi, oh, to vandi le longa na yo, a été tiré des eaux. Et où t'as qui na mai? Ok? Amen. Elle continue à dire. A combien le baboué? De même. 5, s'il vous plaît. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Oui, que la mi pena nzela na mai. Il y a quel pourcentage d'eau sur la planète? Mai eza na ba pourcentage boni kati na mokili. Mai na mabele. Trois quarts de la planète est l'eau. Misato likolo ya bine eza kaka mai na mai. Et la terre n'occupe qu'un quart. Mabele eza kaka teni moko. Ok? Amen. Et la frontière entre la terre et l'eau, bongo mondelo, kati na mai na mabele, c'est les abîmes. Ezalinde ewelo. Et la terre, pe mabele. Je parle pas de la terre du sol. Nazolo bela mabele otoni ata ote. Je parle de la terre en tant que forme et système. Nazolo bela mabele lokola lolenge akosa pe makambo. Lolenge makambo lokambo. Avec tout ce qu'elle renferme. Na Dieu sezana ka. Système, voie lactée et autres. Le lengue minama, ma cambo d'otambolela.
N'occupe qu'à peine. Et ça, moqué. Un cas. Kaka moko likolo ya minei. C'est pour cela Yangwana. Que Dieu Nenzambe, hein? S'est servi juste de zo Aseleleka mai. Comme un instrument de jugement le pour inonder la terre. Pona kozindisa mokili. Il a fallu seulement que du temps de Noé, et de Noah, l'eau sorte de son lit, mai ebi manesike vandaka, monte à hauteur et, matali kolo, et inonde la terre. Et tout s'était arrêté. Et s'il peut bon se katane. Mais pour ce temps, Dieu a choisi le feu pour juger la terre. Continue le texte. Verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Aujourd'hui, n'en déplaise aux écologistes, aux illuminati écologistes qui nous font peur. Attention, attention, l'écosystème est en déséquilibre et dysfonctionne. Bientôt, il y aura les montées des eaux partout. C'est pourquoi il n'aime pas Trump. Il n'aime pas Trump. Parce que Trump a aussi des scientifiques qui prouvent le contraire. On ne le fera jamais passer dans les médias. Ils ont leur groupe de gens qui orientent les choses selon le programme Illuminati. Dieu ne détruira jamais la terre par l'eau. C'est fini. Vérité, hein? Tu comprends? Au sosoli? Nous les écologistes. Il faut bien gérer la forêt équatoriale. Et ne pas exploiter, restez calme. Notre forêt est encore vierge. Ne venez pas nous faire peur ici. Par des mensonges. Et même exploitent nos COD en leur faveur. Mais ils veulent que nous on n'y touche pas. Allez raconter ce soir aux gamins. 7. Tandis que par la même parole qui créa les cieux et la terre, la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Pas pour les eaux, les écologistes. Maïté, bateau écologie, maïté, maïté. La terre actuelle ne sera pas détruite par l'eau. Vous mentez l'humanité. L'élément du jugement, c'est le feu. Pour ce temps-ci, le feu s'abattra sur l'humanité. Et le feu, instrument de jugement, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Quand Dieu se révolte pour traiter l'homme, pour le châtier, il devient un feu. Je vais terminer rapidement. Nombre. Tokena mokana mituya. Nombre 12. Mokana mituya mokapo ya zomi na mibale. Les histoires de Paris là, c'est quoi? COP 22. Les gens veulent prendre le monde comme des idiots. Nombre 12. Dieu se sert du feu quand il veut remettre les choses à l'ordre. Quand l'homme commence à se croire pour quelqu'un. Quand Dieu veut te remettre à l'ordre, il le fait par le feu. Dieu utilise le feu pour les décrets célestes afin qu'on les craigne et qu'on craigne ses oints.
Amen. Verset 1 et 2. Esabu, nom. Tu es là? Amen. C'est parti. 1, 2, 3. Marie et Aaron, c'est ça? Amen. Parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ah, pourquoi il parle par vous? Et pas aussi, c'est par nous. Juste à cause de ça. Parce que Moïse a dit au peuple, personne n'épousera une égyptienne, une païenne. Lui-même, le législateur brise la loi, il va épouser une égyptienne. C'était légitime. Les gens commencent à critiquer. C'était normal, entre guillemets, qu'ils critiquent. Parce que c'est lui qui a dit aux gens, ne faites pas ça. Or, Moïse, il le faisait voulu par l'Éternel. Quelle est la femme de Moïse? Moi, c'est Moïse, comment est-ce? Hein? Marie t'es? Non, c'est Marie. Qui dit que c'est Sephora? Non, non, moi c'est moi, c'est comment c'est Sephora. Sephora? Sephora. Suis-moi bien. La nom, madame. C'est la femme de l'exil. Yende moi si attaque à Kenembo Kamopaya. C'est qui m'a qui? Moïse a eu peur qu'on le tue. Il est venu chez ses frères pour les aider. Et ses frères l'ont refusé. Tu es venu encore nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Alors pendant qu'on le cherchait, il a fui. Dans son isolement, il est allé épouser une Égyptienne. Il était l'image de Christ. Parce qu'il a dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Christ est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. C'est comme ça qu'il est venu épouser une païenne. Toi, et moi, Nangai. Les non-juifs. C'est pourquoi Dieu les a châtiés parce qu'ils ne comprenaient pas ce que son roi faisait. Une dimension hautement prophétique. Dis à ton frère, fais attention avec les authentiques rois de Dieu. Si tu ne comprends rien, tais-toi et prie. Il se permet de faire ça. Est-ce que Dieu parle seulement par lui? Oui, Dieu parle par lui. Oui. Il ne parle que par lui. Dieu a combien de bouches? Hein? Hein? Plusieurs. Voici ce qui se passe. La femme de l'exil. Moi si, Yamboka Mopaya. Nous avons nos politiciens. À un moment, ils ont fui le pays. Ils se sont exilés. Parce que leur terre était incapable de le recevoir. Dans leur exil, ils sont allés se marier là-bas. Tu as compris? S'il était chez lui, s'il était bien accueilli, il se serait marié ici.
Et dans ces moments de solitude, il cherche un réconfort. Il a épousé une femme de l'exil. Ça, c'est Jésus. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, au véritable Sephora, c'est toi. C'est moi. Ezangai. Dis à ton frère, nous sommes la femme de l'exil. Dans les moments de solitude, de rejet, Christ a trouvé une femme, Christ a trouvé une femme qui lui donne la joie. Qui lui donne la joie. C'est toi. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Cela veut dire, si tu boudes l'onction, l'Éternel le sait. Tu la critiques, l'Éternel le sait. Même si je ronfle, l'onction ne ronfle pas. Ça, c'est la plus grosse erreur que les gens commettent. Tu verras seulement. Dieu te débranche de moi. Je commence à te regarder. Je ne te ressens plus. Tu peux forcer les choses. Tu es là comme si tu n'étais pas là. Parce que le Dieu de cieux qui t'a amené jusqu'à moi, il débranche. C'est fini. Il ne faut jamais arriver à ce niveau-là. En ce moment, je peux fournir un effort du berger pour t'approcher, mais au-dedans de moi, je sens qu'il n'y a plus rien. Tu n'es plus là. Vous me comprenez? Amen. Beaucoup sont morts. Batobele et se privent d'énormes grâces. Comme ça. Même si on mange ensemble. Même si je te tiens comme ça. Je ne suis pas toi. Nayote. Amen. Pour preuve. Bon, on relaxe ça. Si tu donnes le coup de main au dos de Silas, moi au Zoazem. Malgré Allah, tu il peut boire l'eau. Il te donne si. Cancer et colongoyo. Jamais. Malformation congénitale et disparaître. Et pourtant, il peut avoir la même taille que moi. Il peut avoir la Bible prêchée. Le problème n'est pas là. Qui est la bouche? Dieu parle par quelle bouche? Il se sert de quelle mandibule? Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Amen. Si tu me comprends bien, sois béni. Amen. 3. Or, Moïse est un homme fort patient, comme l'apôtre Léopold. Plus qu'aucun homme parmi les pasteurs. L'obata amène Roboy. Parce que les autres, tu les critiques, ils peuvent envoyer même des bandits te tabasser chez toi à la maison. Vous voyez bien l'on a tu le provoques, lui-même passe par les médias. Il te répond coup pour coup. Pourquoi? La chair. Bonzoto. Il est en chair tant que ça. Il n'est pas encore brisé. Le vieil homme est encore en vie. Si tu pointes le doigt, le vieil homme te montre de quoi il est capable.
Et beaucoup profitent de la patience de Ouin. Il croit qu'il est idiot. Il ne voit rien. Il est au courant de rien. Non. Il est captif. Il est influencé par quelqu'un d'autre. Mais toi, sache que depuis un certain temps, tu es déjà débranché. Et si ma longola qui est ici Kangamaka. Petit à petit, jusqu'à ce que c'est ce qui est dangereux. 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein. Directement, il dit, écoutez bien mes paroles. Hey. Il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une interprétation de l'Éternel. C'est-à-dire, il voit une révélation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et il s'en alla. Hey. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie et voici, elle avait de la lèpre. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. De wana yo yo baga zara Seigneur. A changé comme Moïse t'a commis Seigneur. De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Où est le problème de Moïse? Quand ils ont critiqué Moïse, est-ce qu'il était là? Moïse n'était pas là. Qui les a amenés à la tente? C'est Moïse? Non. Qui leur parle en les mettant en garde? C'est Moïse? Non. Mais pourquoi il retourne maintenant vers Moïse? Il aurait dû le faire avant. Il y a des choses. Quand Dieu commence à intervenir sur toi, même moi je ne peux plus rien faire. Je vous le dis, celui que je vous prêche, c'est le même qui m'apparaît. Toujours nombre. Petit boulevard, tu dis Amen à haute voix. Huitième rue, tu cries Amen à haute voix. Tu lèves ta main droite, je suis en train de te voir. Tu dis Amen. Je ne vous entends pas. Bande quoi, oui, t'aimes l'oba, amen. Puisque tu leur as parlé à l'Icaonienne, ils ont bien réagi. Verset 1. Mokana mitouya mokapazo minamoko, nzela yambo. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de Moïse. Oh. Hein? Bato ba ima imaki pe et se peli si matoi na Mose se za bongo. Ça déplut à qui? À l'Éternel.
Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Je termine. Le feu, moto, un élément, un instrument de jugement pour sanctionner et manifester les décrets célestes de Dieu. Deux rois, un. Tu es là? Amen. Verset 1. Dis-le un mot. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Qui était la femme d'Akab? Moi, c'est Akab, comment est-ce que c'est? Hein? Jézabel. Jézabel. Que Dieu nous aide, je veux te révéler le mystère de Jézabel. Comment s'est-elle retrouvée aux côtés du roi Akab? Pour détruire la lignée. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez consulter Baal-Zébub, dieu de Kron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » En Israël, un roi d'Israël, il envoie ses serviteurs pour telle sa chance. Allez lui demander si je guérirai. Où est le Dieu d'Israël? Alors qu'Élie était là. Alors Dieu fut en colère contre lui. Trois. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur. Et c'est parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu de Kron. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia. Il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre. Et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, et c'est parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu de Kron, c'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre? Et qui vous a dit ces paroles? Il répondit, c'était un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50, avec 50 hommes, c'est-à-dire 100 personnes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef des 50, « Si je suis homme de Dieu,
que le feu descende du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Le chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Élie s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Jusqu'où nous craindrons Dieu? Tikino nesikani tokobanga nzambe. Tu crois que je suis un homme de Dieu? Ozondi metenaza moto na nzambe. Qui le croit? Amen. Homme de Dieu, c'est-à-dire que Dieu incarné dans un homme. Moto na nzambe ngolo banzambe amitali sina nzela na moto. La Bible dit qu'Élie était sur les sommets. Bible dit Élie a mataki na likolo ya ngomba. Au lieu que un monte, nesikete bango ba mata. Il voulait que lui descende. Bazolo kana ba kitsa moto na nzambe. Toute activité que tu puisses faire. Et loko no soko kosala. Tout comportement. Ezale linyoso. Susceptible. Oye koko sala ete. De rester descendre loin. Et ekitisa mo pakola. Là où Dieu l'a placé. Siko na ma matisie. Exigera le feu pour te détruire. Et kosala nga moto pe bo mayo. Par contre, si tu viens avec humilité, écoute ce monsieur, écoute cet officier, qu'est-ce qu'il dit à l'homme de Dieu? D'abord, il monta. Yambo, amataki. Au lieu de dire descends, vous savez, c'était l'ordre que les autres donnaient. Ils étaient arrogants. Ils voulaient exercer leur grade. Exécuter les ordres du roi. Homme de Dieu, descends. C'était un commandement militaire. Alors l'homme de Dieu dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende. C'est-à-dire, le signe de mon appel. Je suis un homme de feu. Un prophète de feu. Je n'ai pas autre chose. Dieu a voulu que je sois sur les hauteurs. Et pas en bas. Vous voulez que je descende? À la place que je descende, c'est le feu qui vous rejoint là-bas. Calciné. Dirige tes mains vers moi. Demain. Si tu es incrédule, tu t'es jamais repenti de toutes tes incrédulités envers l'onction. C'est aujourd'hui que tes ailes vont commencer à se brûler. Et tout le monde le verra. Mais si je suis homme de Dieu,
Que tous les malades soient guéris. Amen. Si je suis homme de Dieu, tous les liens héréditaires soient brisés. Si je suis homme de Dieu, que tout sont liés par les lois de la famille qui les revendique de génération en génération, que le feu descende, consume les lois. Si vraiment je suis un roi de l'éternel, si vraiment je suis un roi de l'éternel, que tous ceux qui sont dans les tombes entendent ma voix, que le feu descende, consume les cercueils, et tous ceux qui sont dedans sortent. Si je suis homme de Dieu, que tous les hommes et les femmes maudits dans la famille, dans la prostitution, dans l'instabilité, soient délivrés. Si je suis homme de Dieu, aujourd'hui, je mets mon onction sur la table. Je la mets en jeu. Comme un boxeur, mets sa ceinture en jeu. Si je suis un homme de Dieu, tout ce don, les esprits sont enchaînés dans les forêts, enfoncés dans l'eau. Entendent ma voix. Que le feu traverse les forêts, traverse les mers, déchire les terres, sortez. À ceci tu connaîtras que encore aujourd'hui Dieu oint les hommes et il confirme ce qui sort de leur bouche. Si je suis un homme de Dieu, les adeptes des inachevés qui commencent même les fiançailles, ça capote. Qui commence des initiatives, ça s'arrête quelque part. J'ordonne que le feu consume tous les liens et les personnes qui t'ont lié et les esprits qui te tiennent captive par le feu, 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 par le feu. Quelque chose se passe. Une seule personne, deux, trois, quatre, qui était cité dans les ténèbres pour les bloquer. Si ton nom fait partie de ces noms, que le feu traverse ton corps jusque dans le lieu, dans la liste, dans les livres, que les livres brûlent par le feu, brûlent par le feu, brûlent par le feu, 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 le feu. Moto! Aujourd'hui, Lelo, tu seras témoin de jugements terribles, retentissants. Si je suis homme de Dieu, toutes les femmes stériles imposées par la sorcellerie et par l'hérédité, que le feu, le feu, traverse ton corps, soit délivré par le feu. Yes. Yes, Abba.
Mon père est là. Tata nanga azaliawa. Il est ici. Azaliawa. Si je suis homme de Dieu, tout ce qui meurt à petit feu, encerclé, assiégé, étouffé, ils te suivent pas à pas jusqu'à ta mort prochaine. Que le feu descende, consume tout ce qui t'assiège, t'entoure. Qu'il brûle, basica, brûle, basica, brûle, basica, brûle, basica. Il soit indépendant, qui court dans tous les sens, que le feu le pourchasse, les atteigne, qu'il tombe, qu'il tombe, calciné par le feu. Rukabari babarasan, yerese. Si je suis un homme de Dieu, tout ce qu'on a mis dans ton corps, sous forme de crapaud, de cancrela, de serpent, de sirène, de mollusque, dans ton corps, pour contrôler une ou plusieurs parties de ton corps, que le feu descende, consume, consume tout. Tout dans ton corps brûle. Tout dans ton corps brûle. À l'instant même brûle. À l'heure même brûle. 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 Sois calciné. Si je suis un homme de Dieu, toute marmite, toute marmite, toute casserole dans laquelle se trouvent tous les enfants, que le feu sorte de moi, consume, fasse exploser les marmites et les casseroles, où qu'elles soient cachées, brûle. Si je suis l'homme de Dieu, que le feu sorte de moi immédiatement. Touche et brûle toute personne, homme ou femme, qui coopère avec Lucifer pour voler les étoiles, pour voler l'avenir, détruire les carrières. Que le feu descende, vous consume, vous consume, vous consume, vous consume. J'expose ma ceinture. Tout homme, toute femme qui vit avec toi, mais qui est satanique, sorcier, qui te bloque, qu'il soit ta femme, qu'il soit ton mari, biologique, alors que spirituellement, il a une autre mission, que le feu de sang le consume, le détruit, le consume, le détruit, qu'il soit près de toi, qu'il passe la nuit avec toi. Il mange avec toi. Tu lui fais confiance. Il complote dans son âme. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, que le feu le brûle, le consume, le brûle, qu'il meure et toi. Yes! Yes! Tout bataillon mapinga nyoso satanique ya satana de 50 ya batum tout de 100 batokama de 200 batokama bale quel que soit le nombre et dans la baboni le feu moto vous règle les comptes ce soir et donc si ça va pas tout bataillon
Des anges diaboliques, les démons territoriaux, voleurs de grâce, d'avenir, de carrière, des stabilisateurs, quel que soit le nombre, c'est le feu qui me fait à votre oreille. Le feu de sang vous s'abat sur vous, vous consume, vous détruit, vous consume, vous détruit. Si je suis homme de Dieu, à l'instant même, les choses cachées dans ton corps sortent de ta bouche, sortent de ta poitrine, sortent de ton ventre, sortent de ton sexe, par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tout comportement qui nous déshonore dans notre leadership, dans la dimension de l'onction, affiché par un homme ou une femme, ici ou ailleurs, que le feu te consume, qu'on n'entende plus parler de toi. Jamais, jamais, jamais. Quelque chose de terrible, 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 terrible. Yoka. Si tu as ton huile, sors-la. Sokoa kina mafuta no bimisa yango. Tu la prends avec les deux mains, tu l'élèves. Simbango na maboko no somi balé pe tombola yango. Avec les deux mains. Simbango na maboko mi balé tombola yango. Simba lokola papa sali. Partout où tu es, cette huile mafuta wana aura dans quelques secondes des effets totalement différents de ce que tu sais. Et sera un feu dévorant. Et tu vas expérimenter ces effets tout à l'heure. Afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu et moi je suis son roi. Amen. Que l'onction du feu affecte ta bouteille. Rukabadi babarasan. Rekeberi boboro sokobodika. Afin que l'on sache dans toutes les sphères de spiritualité que c'est l'Éternel qui est Dieu et moi je suis son serviteur. Amen. Ouvre maintenant ta bouteille. Je mets quatre gouttes sur ta langue. Et après deux gouttes à chacune des pommes de main. Si manango ote matanga bena boka mobali matanga bena boka mwasi. Tu fermes okangi et tu fermes tes yeux. Pe okangi miso. Et tu commences à frotter tes mains. Bandako sangsa boko no sombale. Sois sincère. Zala na bo solo.
Si tu as une duplicité, tu as une autre vie cachée que tu crois cachée devant l'onction. Ça sera fini de toi aujourd'hui. Prends ces choses très au sérieux. L'église sera témoin de ces choses. Ouvre le cœur. Fungolande motema. Tout homme, Motonioso, toute femme, moi sinioso, qui contrôle ta vie, oya kambagabomo inayo, spirituellement, nandenga molimo, qui a piégé ton corps, oya tia motamo nando, ton âme et ton esprit discrètement, molema pe molimo nandenga kubombama, qui te voit, oya mona kayo, même quand tu crois qu'il te voit pas, ena lokanza domo nayote, tout homme, toute femme, mobali to moi sinioso. Attention, Keba. Beaucoup de choses vont commencer à se manifester en ce moment. Tout homme, toute femme, dans ta vie, paternel ou maternel, patriarcat ou matriarcat, qui croit qu'il a pris la place de Dieu pour te soumettre une vie qui n'est pas la tienne. Si je suis un homme de Dieu, l'onction que tu viens de boire déclenche le feu, 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 et les démons sortent des corps. Sortent. Sors, des tout petits enfants présents ici jusqu'au vieillard, l'onction déclenche le feu, détruise les œuvres du diable. Les démons sortent par le feu, par le feu, sortent par le feu, sortent. Tous les liens inconscients qu'on t'a attaché à une période de ta croissance, de ta vie, les liens inconscients, tu es tombé dans le piège des liens. Si je suis loin de l'Éternel, de l'onction que tu viens de boire, déclenche le feu qui brûle les liens. Il tombe par le feu. Concentre-toi. Ce que je dis est esprit et vie. Puissance créatrice. Tout ce qu'on t'a ravi, tout ce qu'on t'a privé de quelqu'un comme toi, tu n'auras jamais la paix. Tu ne vivras pas comme tous les êtres vivants. Je les récupère par l'onction du feu. Je récupère tout ce qu'on t'a privé par l'onction du feu. Je te les restitue. Reçois. Esprit des eaux, tu sors par le feu. Tu sors par le feu. Sors. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
Tous les pasteurs qui croule sous le poids de la malédiction héréditaire. Les mêmes signes spirituels, tu les vois dans ta vie. Que le feu descende sur toi. Te rende libre. Amen. 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 Libre, Kangolama. 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 Par le feu. Nanzela moto. Par le feu. Na moto. Libre, Kangolama. Par le feu. Na moto. Libre, Kangolama. Libre, Kangolama. Libre, Kangolama. Libre, Kangolama. Libre, Kangolama. Les esprits en divagation. Milimo ako yenga yenga. Qui habite sur ton visage. Oba vana kane longi na yo. Si je suis un homme de Dieu, que le feu de l'onction traverse ton visage et qu'il sorte. Il sort. 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 Il sort, Bazobima. Il sort, Bazobima. Il sort, Bazobima. Lâche-le, lâche. Tigay, tigay, tigay. Tigay. Sors vite. Bima, ma, bima. Lâche-la. Tigay, tigay. Alléluia. Toute forme. Des démons dans le corps, du poisson, de lézard, que le feu le consume. Lâche-la. Yes. Partout au balcon. Tous les balcons. Levez tous vos mains. L'esprit des morts qui se cache en toi. Que le feu de l'onction les brûle. Qu'il sort. Sort partout. Sort. Ange de Lucifer, moi je n'ai Satana. Tu es vaincu ce soir. Ton longueur n'a pas quoi aller long. Jésus est Seigneur. Amen. Libre, libre, Kangolama. 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 Attention, attention. Keba, keba, keba. Attention. Keba. Libre, Kangolama. Libre, libre. Kangolama. Libre, Kangolama. Sous le petit boulevard. Et dans la petit boulevard. Le feu de l'onction fait des ravages. Monte par quoi ils ont ça. Des ravages. Ils ont ça. Des ravages. Ils ont ça. Les démons fuient. Ils quittent le corps. Ils fuient. Ils fuient.
Sois sincère. Zala na bo solo. Ouvre le cœur. Fungolande motema. Si la spiritualité est faible, à peine que j'ai commencé le service, tu es déconnecté. Assieds-toi. La cinquantaine de soldats spirituels, des démons qui t'ont assiégé, qui ont verrouillé tous les secteurs de ta vie. Lève tes mains. Tombola maboko. Reçois le feu. Yamamoto. Reçois le feu. Yamamoto. Reçois le feu. Yamamoto. Ils sortent. Bazobima. Partout. Bisikanyoso. Toute personne. Motonyoso. Agent du diable. Oza Mosali a diabolo. Qui veut te faire descendre de la montagne. Le feu de l'onction. Moto et pas quoi. Descend. Et s'abat sur lui. Le consume et le détruit. Le consume et le détruit. Le consume et le détruit. Fais la prière du troisième chef de 50. Qui fléchit les genoux devant loin. Et lui dit en suppliant. Homme de Dieu. Que ma vie te soit précieuse. Que le feu qui est en train de faire des ravages ne me détruise pas. Si j'étais arrogant, insensé, au point de défier l'onction, que je ne ressemble pas aux autres. Que ma vie soit précieuse. Il y a des démons très très violents qui sont en train de sortir en se manifestant violemment dans beaucoup de corps. Seigneur, je reprends mon huile de ma tête sur chaque personne disposée et préparée par toi pour ce soir. Je les répands sur chaque personne que cette huile affecte l'esprit. La chair, nzoto, l'âme, molema, le sang, pemakila, reçois-la, yamba yango.
Que tout celui qui vient ici sans abandonner la sorcellerie, que le feu de l'onction tombe sur toi, te calcine, huile de l'onction, au nom puissant de Jésus. Beaucoup de choses seront mises à nu. Dès maintenant. Et dans la suite. Je fais ce que tu m'as demandé au Père. Nasali tata oyoloba kilangana sala. Dès aujourd'hui. Kobanda lelo. Et dans la suite de temps. Pina batango ezali koya. Ceux qui doivent mourir mourront. Baoba sengele bakufa bakukufa. Ceux qui doivent vivre resteront en vie. Baoba kozana bomoi sengepe bazana bomoi. Parce que leur vie est précieuse devant toi. Pambate bomoi na bango ezana motu ya liboso na yo. Amen. Amen. Tu ne resteras plus en vie pour rien. Tu ne garderas plus ton travail pour rien. Et amen. Amen. Tu lèves ton offrande Bimisali Kabonayo d'action de grâce. Yakoton Nanzamena o asalelo na pokwalelo. Si tu sais ce qui vient de se passer.